Bonjour à tous et bienvenue au Zénith de Toulouse. Je suis en compagnie de Bernard Sipo. Comment ça va Bernard? Ça va, bonjour à tous, ça va bien. Alors c'est toi l'organisateur, le plus grand organisateur ici en Europe du trial indoor. Oui, c'est vrai que ça fait maintenant beaucoup d'années que je fais ce type d'organisation. Ce soir, Toulouse est mon 338e trial indoor que j'organise. Et ici, plus particulièrement le 30e. Et donc, c'est un gros anniversaire, une belle organisation. Une salle qui sera complète une fois de plus. Et ça, c'est merveilleux. Comme d'habitude, comme à ton habitude. Alors, on va parler un petit peu de toi. Comment tu es venu cette passion du trial? Oh, tout bêtement, un jour j'étais dans les Pyrénées chez mes parents et puis j'avais envie de monter sur les montagnes. Et je me disais avec quoi on peut monter sur une montagne et puis je me suis renseigné. C'était une moto de trial. L'importateur Bultaco habitait Toulouse et donc je suis allé acheter une moto samedi après-midi et puis je me suis mis au trial tout simplement. Et au bout de 3-4 ans, j'ai découvert cette discipline indoor à Bordeaux, notamment au trial indoor de Bordeaux qui existait déjà. Et ça m'a donné envie de faire. On a fait Toulouse pendant quelques années et puis un jour Bercy a voulu faire. Il y a aussi Marseille qui a voulu faire et donc j'étais là, j'ai commencé à tracer et puis c'est devenu mon métier. Mais magnifique, ça c'est une belle aventure. Alors qu'est-ce que tu nous as concocté? Tu disais que c'était la 30e, hein, 30e anniversaire, d'ailleurs bon anniversaire. Oui, c'est la 30e. Alors j'ai essayé de renouer avec un petit peu la nature parce que c'est vrai que les Toulousains ont été habitués pendant longtemps avoir des trials indoor avec beaucoup de rochers, beaucoup de billes de bois, des choses comme ça. Donc on a voulu revenir un peu de ce côté-là, mais garder le côté très spectaculaire des zones hautes et des zones un peu suspendues dans le vide, avec notamment le pont Saint-Pierre, suspendu. Et puis les Pyrénées, parce que les Pyrénées, c'est notre région. Et j'ai voulu faire un petit clin d'œil à la région de Toulouse, avec donc la Garonne, les Pyrénées et Toulouse. J'ai vu les petits canards aussi, hein. Oui, les petits canards, bien sûr. Voilà. Tu vas nous parler un petit peu. Alors, on parlait justement un petit peu ce matin, on en parlait ensemble, sur la visibilité du trial indoor. Qu'est-ce que tu en penses? D'ailleurs, merci à toi de nous faire venir cette année, hein, et pour la première en direct sur Internet. Oui, alors le trial indoor manque de visibilité. C'est vrai que c'est une discipline magique, merveilleuse. Le public est très proche des pilotes. Mais malheureusement, les gens ne la connaissent pas parce que les médias ne s'y intéressent pas suffisamment. C'est une discipline en extérieur qui souffre énormément au niveau de la pratique. On a de plus en plus d'interdictions, de moins en moins de jeunes qui viennent dans cette discipline-là. Et à contrario, ce qui est un paradoxe, le trial indoor se développe. L'année dernière, j'ai fait 21 dates en France, ce qui est énorme hein, parce qu'en termes de sport mécanique, on n'a pas autant de succès. Et je crois que j'ai su quelque part, en toute modestie, y ajouter le côté show avec le côté sport mécanique. Et ça plaît énormément au public. Et puis aujourd'hui, il y a des aficionados. Et puis il y a des gens toujours qui découvrent et qui d'une année sur l'autre viennent sur les trials. Alors quels sont les projets justement pour 21 dates, c'est ça? Oui, alors les 21 dates, c'est passé. Pour cette année 2017, ça va être une année moyenne, on va dire, avec quand même en fin d'année, je l'espère, un très très grand projet du développement du trial indoor, et qui va s'appeler d'ailleurs le X-Trial, championnat du monde. Donc c'est un projet, on travaille beaucoup en ce moment avec la Fédération internationale de moto pour mettre au point ce projet. Et j'espère qu'il va déboucher fin 2017 pour faire une saison 2017-2018 avec peut-être 10-12 dates, mais dans le monde entier. Ah voilà, ça c'est un peu ça, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a des pays qui sont demandeurs comme l'Argentine, le Chili, le Mexique qui est aussi intéressé. On a un projet à Sochi en Russie, on a des projets à Göteborg, à Bremen en Allemagne où j'avais déjà organisé il y a quelques années des trial indoor là-bas. Ils ont envie de revenir dans ce projet. Donc j'espère qu'en étendant notre concept au monde, on fera venir de nouveaux trialistes dans cette discipline qui est merveilleuse. Alors justement, tu me parles étranger, Chili, Mexique. Il y a un Japonais d'ailleurs aujourd'hui. Oui, Takahisa Fujinami, un pilote, ça fait 35 ans qu'il... Enfin, il a 35 ans et ça fait 20 ans ou 25 ans qu'il fait de la moto. C'est énorme, c'est un petit peu le Valentino Rossi avec moins de succès parce qu'il n'a pas gagné autant de grands prix, mais vu son âge, il a 37 ans aujourd'hui et c'est vrai que ça commence à faire pas mal, mais le public l'adore, donc c'est bien. Alors les pilotes, beaucoup d'Espagnols, parce que voilà, c'est une discipline qui est encore très espagnole. On a un jeune Français ce soir, Benoît Bincas, j'espère, la valeur montante du trial français, mais il faudrait d'autres, pardon. Et bon, il faut les trouver, c'est pas facile. Voilà, et ça vous dirait pas de monter justement une école de trial? Alors, on y pense à monter une école de X-Trial, parce que c'est vrai que c'est une discipline qui est un petit peu particulière et qu'il faut que les pilotes s'entraînent sous des conditions très particulières aussi. Donc pourquoi pas, c'est dans les projets. À venir. À venir.
Très bien, ben merci beaucoup hein, Bernard. En tout cas, on va ce soir assister à un gros show, un très très gros show. Nous, on va aller faire un petit tour hein, justement avec les pilotes, faire un petit tour du paddock. Un petit mot, un petit bonjour à quelqu'un en particulier? Non, bonjour à tous les trialistes et puis à tous les aficionados du Trialinor. Et j'espère qu'ils se régaleront en regardant les images de Toulouse ce soir. Ben, très bien, merci beaucoup. Hein, voilà, en direct du Zénith ici à Toulouse, ce beau Zénith avec Bernard. Et merci beaucoup Bernard pour d'avoir répondu à mes questions. Eh ben, c'est normal. Voilà, on va rendre les directs et on va se retrouver dans quelques petites secondes dans le paddock avec les pilotes. À tout de suite.